Samuel, je vous présente Anma. Ensemble, nous allons vivre une très grande histoire d'amour. Samuel Labarthe, bonsoir, je te présente. Moi, c'est Anma. Dans le jargon des employeurs, on pourrait dire que je suis une sorte de congé sans solde de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un ticket de train, mais que malheureusement, même en cas de contrôle inopiné, eh bien, personne ne poinçonne jamais. C'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que malgré ce petit côté Homer Simpson que vous donnez les trois cheveux qui se battent en duel sur la main de votre crâne, et bien c'est pas tous les jours qu'on rencontre un acteur de talent qui après 30 ans de carrière a la chance de pouvoir encore aller faire ses courses chez Lidl sans être importuné par les fans. Un luxe que vous n'aurez probablement pas eu si en plus de doubler la voix de Georges Clooney, vous aviez eu son physique. Et à propos de physique justement, j'ai découvert que le vôtre vous a desservi par le passé, et notamment à vos débuts où votre côté un peu trop lisse, probablement dû à vos origines suisses, vous a mis pas mal de bâtons dans les roues. Et vous savez quoi, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant hérité dès la naissance de systèmes pileux qu'on pourrait qualifier d'abondant pour une femme née de l'union de deux êtres humains, eh bien je veux autant vous dire que du coup, même si je suis clairement plus proche de la guenon que du canon, sachez que la chita qui est à moi serait absolument ravie à l'idée de pouvoir se pendre à votre liane, si vous voulez, c'est ce que je veux dire. Et à propos de singerie, dans le film La Conquête, vous avez incarné cette sorte de Brad Pitt de proximité qui est Dominique de Villepin, un rôle formidable dans un film tout aussi remarquable qui, souhaitons-le, aura enfin son air de gloire au moment de sa diffusion à la télé. Et en parlant d'être formidable, vous déclarez avec cette fausse modestie qu'ont souvent ces faux culs de Suisse, il faut bien le reconnaître, vous déclarez: J'ai toujours pensé que si on a une once de talent, il nous est donné par nos partenaires. Et c'est marrant que vous parliez de ça quand je suis qu'à mon petit niveau. Et ce malgré mes nombreuses tentatives pourtant, n'ayant hélas jamais trouvé aucun partenaire autre que mon pépé, prêt à montrer autre chose qu'une vieille blaineau. Eh bien, sachez que la jeune première qui est à moi sera absolument ravie de se laisser inonder par votre talent, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenter ma chance en Finlande, où ont lieu en ce moment même les élections présidentielles. Donc, si comme moi, vous ne seriez pas contre l'idée de vous faire dépouiller l'urne, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon service.